Putain, ça commence mal. Coucou, c'est Lamzou. Bienvenue sur EU4 avec les États pontificaux. On va donc devoir poursuivre nos. Bah tiens, je suis pas le seul à avoir débarqué chez les Anglais. Quelqu'un l'a déjà fait avant moi. Bon, c'est pas que ça va me gêner. Et en avant. Je pense que les Anglais se surestiment un petit peu. Déjà avec l'occupation complète de Palatina, à leur place, j'arrêterai de faire les fiers. Et surtout, s'ils tiennent à Londres, je signerai tout de suite la paix. Allez, on va prendre le premier fort. On fait un siège, on a 5% d'attrition, c'est pas bon ça. Alors Souma, c'était là. Je peux rappeler celui-là. Tu vas aller là-bas. Donc ici, on débarque chez eux. Eux, il faut qu'ils libèrent tout, ça va être rapide. Alors. C'est bizarre, c'est que j'ai pas le score du blocus naval. Alors, un conseiller qui est mort. Ça tombe bien, c'était celui que je voulais pas. Et vous, vous rentrez à quai tout de suite. D'accord, en fait, c'est avoir zéro. C'est ça l'avantage. Je confirme, je l'avais en fait. Alors, est-ce qu'on peut espérer que la Grande-Bretagne soit enfin raisonnable? Donc, pour moi, la Grande-Bretagne doit me céder beaucoup de choses. Ça, ce serait déjà un bon début. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là, ça peut le faire. C'est déjà un début de négociation. En plus, ici, il faut que je prenne ça pour avoir ma nouvelle doctrine. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on a. Pourquoi on n'a pas le 100%? Ok, ils subissent en ce moment des. Comment dire? Une sérieuse fessée. La Catalogne. Le but étant évidemment de faire grossir la Catalogne en premier. Voilà, déjà, donner tout ça à la Catalogne, ça vaut combien? Ça vaut que 48. Ok. Moi, je prendrais bien Séville pour moi. Ouh, c'est cher. C'est cher aussi de prendre des trucs ici. Oui, chose importante, une humiliation obligatoire. Parce que si je les humilie pas, c'est pas bon pour nous. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Que je les vire de Louisiane aussi?
Alors les territoires en Louisiane, faut que je connaisse les noms. Voilà, et le dernier. Je sais qu'il y en a encore un, mais je connais pas son nom. Et il est peut-être pas mis à mon nom aussi. Ouais. Je veux savoir tout ce qui est au-dessus des 1%. Commencer à m'implanter ici. Ce serait trois petites îles sympas. Le gap, c'est gros. Ça et ça. Ça ferait un début ici. Ouais, on va faire ça. Marquer quoi là? France? Ah, je suis sûr que ces escrocs. Allez, on va valider ça. Ah, la Castille, ils ont piqué ce territoire-là. Ah, punaise. On va là tout de suite. Ah, ils sont déjà à 100% en plus. Ah, lui, je peux le faire, si. Bon, déjà, j'avais ça à Corée. C'est fait. Et maintenant, on va quitter donc la guerre. Va chercher les copains très vite, toi. Vous, je vous veux. Bah, vous serez en Catalogne, c'est bien. Non, vous, je vous veux plus en fait tout court. Vous êtes qu'une armée de mercenaires. Ensuite, niveau science, on est pas mal. Niveau bâtiment. Je vais construire ça. Et je vais même me décider de. De réaménager tout, je pense. Voilà, ça bug plus, c'est plus joli, c'est plus facile d'accès. Alors, c'est quoi le bâtiment que je vais avoir bientôt? Ce seraient les sanctuaires majeurs que j'aurai d'ici 10 ans. Donc c'est pas bientôt. Mais ça pourrait être intéressant de commencer à raser tous les sanctuaires pour mettre des universités. Il y aurait une idée sympa là-dessous. Ok, et une guerre contre l'Ottoman. Est-ce que l'Autriche me rejoint? De toute façon, j'ai pas de casus belli parce que Raguse, il sert vraiment à rien. Bien, comme je l'avais décidé, je veux une nouvelle doctrine, je veux celle d'influence. Et je veux surtout les trois premières. Les vassaux me donneront plus de pognon, c'est décidé. J'ai 89%, il est temps que je reprenne une partie de cette flotte-là. Que j'en mette une. Grosse partie sur Séville. 45. Bon, 46, c'est pas grave. Vous, vous faites Séville. Et vous, vous faites Gênes. Normalement, c'est censé être efficace. Vous, vous vous dépêchez de vous pointer au nord. Normalement, mon. Je perds encore des sous. Est-ce que j'ai beaucoup de colonies en cours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'en ai que 8. Et qu'une 9e qui devrait pas tarder à arriver, c'est-à-dire que je dois avoir un souci ailleurs. Budget colonial, rien de particulier ici. Budget de l'armée, il me reste des mercenaires. Ok, il vient de repasser en vert à plus 11, c'est déjà un peu mieux.
Bon bah venez vous en parler, y a pas de souci, on va vous recevoir. Vous présente le conquistador. Ils disent toujours ça. Alors, est-ce qu'il y a des révoltes? Il y a une grosse latitude de guerre. Ça va être chaud à gérer. Vous vous retournez dans les navires. Parce que vous allez assurer la sécurité ailleurs. Voilà. Vous, la sécurité que vous voulez assurer, ce sera celle de Romagne. Ou de, plutôt aller à Rome, tiens. Ça fera du bien de voir quelques troupes à Rome. Ah bah du coup, je peux même faire une colonie ici, hein. Voilà, j'ai en pause, s'il vous plaît. 10 de prestige, oui. Perdant 10 prestige, ça on s'en fout. Une flotte d'or. Vous, ce serait bien que vous veniez là. Parce que je pense que... Quitte, non. Ils sont alliés à qui? Charkas. Alors, Hugo. Je vais t'ordonner... C'est pas celui-là. Hugo, t'es où? Voilà. Je t'ordonne d'attaquer Quito. Et pas attaquer ton voisin. Toi. Ant. Je t'ordonne. Naise. Je t'ordonne d'attaquer Charkas. Niveau des corps, t'en es où, toi? Faut encore que tu corps ici, oui, on va être un peu tranquille. Pierre, tu peux faire la guerre à qui, Pierre? Les Shawnee, les Hurons, les Miami ou les Wichitas? En fait, il y a personne sur ton territoire, donc surtout... Tu fais rien. Par contre, du coup, c'est Kyritos, tu vas attaquer les Chakas. Ah, t'en as pas? C'est con ça. Yogg, tu peux attaquer qui toi, Yogg? Ah mais arrête de vouloir attaquer ton voisin, bordel. Ok, donc comme je l'avais dit, j'ai préparé un grand plan de financement important. Je détruis... il faut attendre un tout petit peu. C'est dans 10 ans que ce plan prendra effet. Parce que dans 10 ans, je rase tous les sanctuaires pour poser des universités. Il n'y a pas un endroit où tu peux construire un bâtiment pour voir. Ben voilà. 12 mois, parfait. Je rappelle à tout le monde que les chantiers navals, ça sert à rien. Alors ne nous faites pas chier avec. Très avec la France. J'ai baissé la maintenance du militaire. Mais tous les forces sont bien coupées. Et j'ai combien? J'ai 115 000 hommes. Euh.
Pourquoi est-ce que j'ai un galion ici? Tu vas revenir par là. Enfin non. Et vous, je vous mets inactif. Tu veux prendre un accès militaire, tu es en guerre contre France, Pays-Bas et Brandebourg. C'est pas rien. Je te souhaite de bonne chance. Pour une fois que la France a bougé, il va falloir te battre. De l'or, ça c'est cool. Au niveau inflation, ça va être dur de stabiliser, je pense. Ça fait plaisir. Ouais. On peut attendre un tout petit peu et mettre de côté. Ah, par contre, ces voici sont restés, donc là, c'est pas cool. Conclusion, mes transporteurs, j'ai besoin de vous. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est... Bon, c'est pas grave, vous aurez un commandant là-bas. Je vais vous sur place. Les trêves avec les Kiowas. Ah, prenez votre temps. Faites bien chier la Castille surtout. Soulèvement à Palerme. À Parme. J'ai plus de voix, bordel. Je pense que c'est peut-être le... Je suis en train de réaliser que j'ai plus de troupes ici en fait. C'est que j'ai quasiment plus d'armée dans le coin. L'Autriche qui va me prendre une branlée. Palatina d'ailleurs. Non. Attends, t'es en guerre contre qui là? Brandebourg, Cologne. Allez, là, quoi, tu peux y aller. T'as même ma bénédiction pour tout raser. Et d'ailleurs, à tes côtés, on a qui? Sans déconner, t'es allié à qui, toi, en fait? Votre bohème, on va améliorer les relations. L'Autriche, on va le faire aussi. C'est quand même une de mes bases arrières, l'Autriche. La Suisse qui bouge vers moi, est-ce que c'est bon signe? Alors ça, c'est une blague. Avec tout ce que tu peux faire comme possibilité, t'as décidé d'envoyer ton armée chez moi. Alors que je suis sûr que la République des Deux Nations est sur le point d'envoyer son armée chez toi. Est-ce que tu peux faire quelque chose d'un peu plus intelligent quand même? Je sais pas moi, va élever des moutons. C'est quoi ça? Dévotion du prestige, prenons le prestige. Bah, les mecs, regroupez vos armées, arrêtez de vous suicider. Non mais oh, c'est une blague là. Tu serais pas en train de m'envoyer toutes tes troupes une par une, toi? Je sais que je suis très patient et très gentil, mais quand même, te fous pas de la gueule. Récupère-moi ça. Tu vas gérer le bas, toi. Tu vas remonter ici, toi.
me taxe plus, toi. Oula, comment ça se fait qu'on a un retard comme ça de morale? Ah oui, là c'était pas bon du tout ça. Bon les mecs, il va me falloir une nouvelle armée dans le coin. Comme ça 4 en fait j'ai dû acheter beaucoup de cavaliers je crois. Heureusement que j'ai juste à lire ce qui a marqué en dessous, et même 10 cavaliers ça fait beaucoup. Voilà, allez. Non, encore un peu moins de cavaliers. Voilà, 22 000 hommes comme ça. Enfin, je suis d'accord qu'ils puissent gagner la bataille, mais que je commence avec autant de morale en moins, ça, c'est pas possible. Encore une flotte d'or. Viens ici. Au 31. Maintenant des colonies, j'avoue. Comme on dit, c'est pépère. J'ai claqué mes pompes PEL. Voilà, on vous envoie tout le monde. Donc ce siège, s'il pouvait tomber très très vite, ça me ferait plaisir. Et j'ai fait ça parce que j'avais plus de troupes dans le coin. Je vais enlever tous les cavaliers. Encourageant. Je confirme. Ah, excusez-moi, téléphone. Je coupe. 23 minutes. Ciao à tous. Bon, en fait, on va se permettre de prolonger de quelques minutes. Alors, le faire revenir... J'ai vraiment beaucoup de points. Et là, il va falloir que je trouve un moyen de dépenser ces points. Parce que là, mes points... Comment dire... administratifs, je vais en avoir beaucoup. À moins que je puisse gérer ici. Voilà, ici, comme ça, ici, du coup, je me suis débloqué deux bâtiments. Pour commencer, l'usine. L'université ici. Là, je suis en attente de débloquer ça. Ok. Et militaire, est-ce que je... Ouais, je pense que dans pas longtemps, ils vont me faire payer. Donc ça va juste être un petit prolongement de quelques minutes, pas énorme. Mais tant qu'on peut le faire, autant le faire. Ma limite navale, elle est pas augmentée. Bon, on va dépenser 1000, évidemment, j'ai que ça à foutre. Vous vous en doutez bien. Je vais faire revenir. J'ai vu une armée française qui me fonçait dessus, donc j'ai un peu paniqué. J'ai cliqué là tout de suite pour regarder c'était quoi cette histoire. Ça va, c'est pas pour moi qu'ils viennent. Vous pouvez commencer déjà à partir là-bas. Là, ce sera donc le prestige. Si seulement cet événement pouvait durer plus longtemps. Transporteur, je vais vous mettre à côté. Et c'est pareil, vous êtes en inactif.
maintenance de l'armée, je vais vraiment bien la baisser. Je vais réduire un peu l'inflation manuellement. Et tiens, je vais me permettre de faire un impôt de guerre. Et encore une fois, j'ai reçu un message. Ok, et on va continuer. Parme est enfin libre. Vous allez aller à côté. Heureusement que je récupère Parme parce que ça me rend du coup l'accès à un sanctuaire de plus. Commerce intercolonial. Donc c'est Jordan, il faut que j'aille voir comment est Jordan. Je pense pas que Jordan soit relou. Ça c'est le sale désir. Non, c'est là le désir de liberté. Ouais, rien à foutre de Jordan. Donne-nous du mercantilisme. Ah ça fait pas plaisir. Mon commerce est pas si élevé que je l'aurais cru. Une colonie qui est finie. Passe ici, toi. Mais les mecs, vous gérez votre guerre, vous? C'est une blague, sincèrement, quoi. C'est pareil, là, t'attends quoi? T'as fini la guerre? Déconner mec, tu fous quoi? Là c'est la France qui est en train de l'humilier, lui bouge pas parce que de toute façon y a rien. Quoique Kerry. Si je crois que Kirito je peux l'envoyer contre les Kiowa. Même pas. Shirishua, c'est où ça? C'est ici. Et pourtant, on colonise vraiment à la vitesse de l'éclair. Non mais mec, tu te rends compte que t'es en train de te... C'est une blague. Je suis en train de faire un mauvais rêve. Bon bah du coup va falloir affronter ce combat avec certains. Ah d'accord, ok. Ok. Mon armée est gratuite, c'est comme ça, 15 000 hommes. On va dire 15 000 hommes instant kill, y a pas de souci. 20. 6 13 Allez 7 Armée Et ben vas-y fais-moi une armée du coup parce que là on va devoir repousser leurs attaques. Active-moi ce fort ici. Active-moi le fort là. Celui-là, je l'aurais bien activé aussi si je l'avais vu venir un peu plus tôt. J'en ai marre aussi que les mecs ils soient aussi résistants que ça au niveau des religions. Voilà, donc les casus belli seront plus rapides. Ça sert strictement à rien, mais ça fait plaisir. Pays-Bas en plus ils sont combien en militaire? Ils sont 18. Ils ont une techno d'avance. Bah justement on va les rattraper. Je la prends maintenant. C'était pas ça, c'était d'abord ça en écapite et ça en canon de cuir. Provence est tombée.
vous allez aller à Gênes tout de suite. Alors, et puis surtout... Ah, je sais si pourquoi mon armée s'est fait atomiser si vite. C'est vrai que je suis en maintenance militaire, j'étais en maintenance militaire un peu baissé. Tu vas être... Mais t'es con, je t'avais... Putain, je l'avais annulé son mouvement pourtant. Siège de Conny. Tu m'as fait tomber un fort en 46 jours, c'est une blague ça. J'ai une traversée? Non. Bien, alors maintenant, on va savoir, est-ce que tu es capable ou non de me repousser 50 000 hommes? Pourquoi est-ce que mon moral a commencé si bas? Va falloir qu'on m'explique là. Je comprends pas la raison qui font que mon moral est si bas. J'ai un truc spécial qui m'enlève du moral? Non. Ben je sais pas. En attendant, on va passer en... Repliez-vous à Ferrar. Je trouve ça assez fou. Perdre deux batailles aussi vite. Je comprends pas la logique de ces défaites surtout. Excepté avoir le plaisir de me foutre des rousses gratos. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Je peux les stocker ici, 50 000, donc c'est bon. Vas-y. Toi tu vas à Gênes. Toi tu vas attendre un tout petit peu et vous poursuivez pour Gênes. Une colonie terminée. Il faut aussi que mes finances se reposent un peu de toute façon. On va repousser l'armée rebelle. Là j'ai commencé à quoi? 3 et quelques, un moins 3. Ça fait déjà une minute, donc je finis de gérer ça et j'arrête la vidéo. Surtout du coup maintenant j'ai 8000 hommes. J'ai un grand manque de soldats en Côme. Conny. Provence. Toi tu vas aller à Provence. Ah et j'ai un colon à gérer. Ah ils ont quand même décidé de bouger un petit peu. C'est pas trop tôt. Est-ce que Axel a fini? Pas encore. Mais c'est que c'est une colonie, donc c'est Axel. Axel, je te donne l'ordre d'attaque. D'accord, en fait, tant qu'ils sont en guerre une fois, ils veulent pas y retourner. C'est un peu des divas les mecs en fait hein. On va perdre un peu de croissance coloniale, c'est pas grave. Voilà, toi tu retournes là-bas. Et moi je m'arrête ici. Voilà, merci de m'avoir suivi, ciao ciao.